Estrangeira, gusta de uma prima. Perché hai a tua volta? Bonjour à tous, aujourd'hui mercredi 12 février 2020, dans le cadre de notre partenariat avec le club de football professionnel de la CA Ajaccio, nous accueillons trois joueurs professionnels. Entre deux séances d'entraînement, ils ont accepté de participer dans le dojo de notre établissement à une mini-conférence de presse. Quatre de nos élèves ont eu la chance d'être sélectionnés en tant que journalistes. Léa Marie Mezzac, Jennifer Gomez, Rose Renouch, élève de 3e, ainsi que Pierre-Paul Desgrado, élève de CAP Avante, vont se prêter au jeu de questions-réponses. Allez, suivez-nous, on vous y emmène. Io capì cozzini, cucchietti sotto stessa bandera, qui la mia squadra vera. Recevoir dans notre repère sportif tout rouge comme à votre stade. Le premier joueur, Shazim Lassi, 23 ans, de nationalité albanaise, occupe le poste milieu, a déjà inscrit 6 buts depuis son arrivée en 2017 dans notre club. Vient ensuite Hugo Kippers, 22 ans, de nationalité belge, occupe le poste d'attaquant, 4 buts actifs depuis son arrivée. Bonjour. Bonjour. Alors, la première question est pour Shazim. Quelle est votre vie au quotidien avec l'équipe? C'est sûr, c'est très très bien. C'est une île magnifique pour moi. Et aussi quand tu joues avec les pour l'équipe de cette île, c'est une très très bonne chose pour moi. Et ça, franchement, je suis très très content. Cette question s'adresse à vous deux. Est-ce que c'est compliqué de récupérer après une blessure? Oui, c'est sûr, mais ça dépend, c'est quelle blessure. Ça dépend, c'est comment... C'est ça. Non, oui, ça dépend du type de blessure. Et ensuite, on a un staff médical qui est à notre disposition pour nous aider à récupérer dans les plus brefs délais en fonction des examens médicaux qui ont été effectués. Shazim, pensez-vous rester dans l'équipe la saison prochaine? Pour le moment, c'est oui, je vais rester. Pour le moment, c'est dans la tête, j'ai re-signé avec l'équipe, mais pas encore. On va, dans quelques jours, dans quelques semaines, je vais faire. Hugo, quels sont les matchs les plus difficiles, à domicile ou extérieur? En théorie, à l'extérieur, mais cette année-ci, c'est plutôt l'inverse. Parce qu'à l'extérieur, je pense qu'on ressent moins le besoin de devoir faire le jeu et d'être performant, ce qui est un peu paradoxal, mais après, c'est toujours un plaisir de jouer à domicile et on espère pouvoir faire un peu mieux dans les semaines qui viennent. Shazim, est-il difficile moralement pour un joueur de passer de la Ligue 1 à la Ligue 2? On a certains joueurs dans l'équipe qui a joué aussi avant en Ligue 1 et maintenant on joue en Ligue 2. Je crois si peut-être oui, peut-être non, je ne sais pas exactement parce que jamais joué en Ligue 1 et je ne peux pas te répondre exactement pour te dire la vérité. J'aimerais savoir dans les vestiaires quel est le joueur le plus drôle. C'est lui. Hey, toi, direct. Oui, c'est possible, moi. Il y a Ben, le gardien. Ben le roi. Il y a aussi moi, dans un temps. Hugo, bien sûr, non. Il y a Solacaro, un autre gardien. Je crois, c'est du ça. Hugo, et le cas inverse, le plus rouspetteur?
plurospecteur. Alors chacun a un peu son caractère. Je dirais Matteo sur le terrain, Alexis, Philippe et Courtin. Nous accueillons maintenant Rose. Bonjour Rose. Prends place enfin de poser des questions. Alors la première question est pour Hugo. Jusqu'à quel âge un joueur pro peut-il jouer ? On parle souvent de l'âge de 33-34 ans. Après, tout dépend des blessures, malheureusement pour certains joueurs, mais chacun est un peu responsable de sa propre hygiène de vie et ça joue beaucoup par rapport à l'âge à laquelle un joueur va prendre sa retraite. Hugo, comment se passe la sélection d'un joueur ? La sélection pour le match du week-end, tu veux dire ? Oui. Alors c'est vrai qu'on est plus que 18, donc il y a 18 joueurs qui peuvent être sélectionnés. Et ensuite, c'est en fonction des postes, qui est disponible, donc qui n'est pas blessé, qui n'est pas suspendu. Et le plus important sont les prestations et les performances en match et tout aussi important aux entraînements. Chazim, est-ce que vos jambes sont bien assurées, pardon? Oui, la première année quand j'arrive là, la deuxième partie du championnat, j'ai une petite blessure. J'ai cassé un petit peu mon métatarse, mais ça n'a pas grand chose, c'est juste un peu, pas beaucoup. Quel sport pratiquez-vous en dehors du foot ? Franchement, j'aime tous les sports. J'aime tous les sports. J'ai regardé beaucoup de sports comme ça, mais aussi le basket, aussi il y a des salles judo, parce qu'il a fait mon frère aussi, il a fait judo aussi. Et j'aime beaucoup tous les sports. J'aime tout. Cette question s'adresse pour vous deux. Avez-vous déjà été sanctionné? Sanctionné à quel niveau disciplinaire? Non. Sportif modèle. Toi non plus ? Hugo, dans quel club avez-vous débuté ? Au Standard de Liège, en Belgique. J'ai été formé là-bas. Connaissez-vous notre établissement ? Si oui, quel regard portez-vous sur le partenaire de l'ORE avec la CA ? Non, je ne connaissais pas du tout. On m'a un peu expliqué juste avant de venir. Je suis assez content de voir qu'il y a de telles initiatives qui sont prises à votre égard et c'est très encourageant comme les travaux que vous avez effectués au stade, etc. Et je pense que c'est aussi important pour vous que pour nous de voir qu'une collaboration se passe très bien. Là, ça allait à Marie, grande supportrice de la sélection. Et Marie, en tout cas, cette question s'adresse à vous deux. Depuis quel âge jouez-vous au foot ? Moi, j'ai commencé depuis 5-6 ans. C'est une équipe en Grèce, en Athènes, exactement. Et après, même chose, vers 5-6 ans dans un petit club de village en Belgique. D'accord. Hugo, quelles sont vos passions en dehors du foot ? Alors, en dehors du foot, j'aime bien passer du temps avec ma famille, mes amis. Et quand l'occasion se présente, quand je ne suis pas trop fatigué, faire un peu de sport. Laisse la maison. Faire un peu de sport. J'aime bien le tennis en dehors du foot, mais principalement profiter avec mes proches. Quels sont vos joueurs favoris ? Oui, c'est Hugo. Parce qu'il a marqué beaucoup de buts pour l'équipe. Des buts importants. C'est pour ça, parce que après, c'est comme mec, j'aime pas trop. Pouvez-vous nous raconter votre premier match pro ? C'était de 2015 ou 16 avec Olympiakos, après match de coupe, je crois que c'est 2016. Hugo, comment vos parents ont-ils réagi quand vous avez décidé de devenir professionnel ? Ils m'ont laissé moi-même faire le choix. Il y avait soit les études, soit le foot. Et quand j'ai décidé de passer professionnel, ils m'ont suivi dans mon choix. Que ça réussisse bien ou pas, au final, ils étaient là pour moi et c'était le plus important. Hugo,
Avez-vous été soutenu? Oui, beaucoup. Beaucoup parce que vous voyez principalement les matchs à la télé, mais au final, c'est un travail au quotidien, c'est pas toujours simple. Sur une saison, il y a des hauts et des bas, que ce soit individuellement ou au niveau de l'équipe. Et là, j'ai beaucoup de soutien de la part de tous mes proches. Toujours pour Hugo. Lorsqu'un joueur quitte l'équipe, quelle sensation avez-vous? Alors, ça peut être des sentiments différents. Ça peut être un transfert vers une autre équipe qui le récompense de ses efforts sur le terrain. Donc, fatalement content. Après, il y a d'autres circonstances qu'on ne connaît pas spécialement, mais d'office, on tisse des liens avec nos coéquipiers. Et c'est toujours un peu triste de voir quelqu'un partir, mais au final, on sait à quoi on s'engage et on souhaite le meilleur à tout le monde. Chazim, et quand vous-même vous quittez un club? C'est sûr, je sens... J'ai chaud. C'est sûr, je sens très très bien dans l'équipe parce que je crois qu'il est la première équipe qui m'a donné vraiment la chance pour montrer beaucoup de choses à mon caractère aussi pour sur le terrain pour montrer les choses qu'il y a comme des joueurs. Je sens très très content pour ça. Je suis un gros plaisir pour cette club. D'accord. Chazim, expliquez-nous votre intégration au sein de la CA. Oui, c'est direct quand j'arrive là. C'est vraiment très très bien, comme j'ai dit avant, parce que depuis le premier jour dans le club, il y a beaucoup de joueurs qui... Franchement, c'était un petit peu difficile pour moi parce que les langues de français, c'est pas... Jamais je parle de ma vie avant. C'était un petit peu difficile, mais avec certains joueurs de l'équipe qui m'ont aidé pour commencer à parler anglais et français aussi, et comme ça, être plus facile pour moi. Merci pour vous deux. Pouvez-vous nous chanter un extrait de la chanson « Où quand dit l'ours » ? Ouf. The song we hear when we come on the field. Honnêtement, non. Je suis désolé. Je comprends absolument pas le corse. Moi, oui, parce que j'ai Après, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la chanson, mais je saurais pas la chanter. Pour terminer, notre représentant masculin, le plus grand supporter de la CA de l'établissement, nous accueillons Pierre-Paul. La question s'adresse à vous deux. Est-ce que, depuis que vous êtes dans le top 5, les entraînements deviennent-ils plus intenses? Non. Depuis le début de saison, on s'entraîne à un rythme très élevé et j'ai même tendance à dire que depuis qu'on est dans le top 5, c'est plus intense. T'es d'accord? Oui. Je suis d'accord, mais parce que Hugo il arrive un petit peu plus tard, et pour ça je vais répondre pour ça, mais oui, c'est vrai. Aussi quand, avant de commencer la saison, tout le monde il a, je crois qu'il n'attend pas cette début de saison jusqu'à maintenant, mais franchement on a commencé très très bien, et on espère les deux, on va continuer comme ça pour les clubs, c'est sûr. Pour les villes d'Ajaccio, et pour nous aussi, personnellement, parce que chaque joueur il y a des objectifs pour aider les clubs, pour monter en Ligue 1, pour beaucoup de choses aussi. Hugo, est-ce que l'adaptation au football corse a été compliquée? Non, absolument pas, parce que je venais de la Grèce, où là c'était plus compliqué, comme un peu pour Chazim, mais quand... On parle la langue, ça facilite directement dans le vestiaire, on peut tisser des liens avec les coéquipiers et le championnat est dur, mais niveau intégration, ce n'est absolument pas compliqué la tâche. Chazim, avez-vous de futurs projets comme par exemple devenir entraîneur? C'est sûr, pour continuer à cette club, mais parce que comme je disais avant, c'est une club qui m'a donné vraiment les chances, et ça jamais je vais oublier, parce que cette club c'est vraiment dans mon cœur ça, et aussi dans la tête c'est sûr ça, et pour ça
Je vais donner plus à cette saison pour monter vraiment parce que je crois qu'on a mérité parce que on a beaucoup d'années qu'on n'a pas monté. On a essayé beaucoup, on a essayé 3 ans maintenant que je suis dans le club. On a essayé la première année pour un peu, on n'a pas monté, mais on ne lâche pas et je crois qu'il a cette année, c'est pour nous. J'espère qu'on va y arriver. Hugo, êtes-vous émerveillé en voyant l'ambiance du stade François Coty? Oui, c'est vraiment c'est une belle ambiance. C'est différent des stades dans lesquels on peut jouer. C'est difficilement explicable, mais oui, c'est une certaine chaleur, une certaine atmosphère qu'on ne retrouve pas dans les autres stades par la proximité des tribunes. Et c'est vraiment une ambiance qu'on apprécie tous au sein du vestiaire. Chassim, l'ACA est-il un club familial pour vous? Oui, vraiment. Comme j'ai dit avant, le premier jour que j'arrive là, tout le monde il essayait pour m'aider, pour arriver vite dans l'ambiance de l'équipe. Comme l'a dit Hugo, c'est vraiment depuis quand j'arrive là, je sens les mêmes choses, il n'y a pas changé. Hugo, comment préparez-vous un grand match? comme tous les autres matchs. On est dans un championnat où il n'y a pas de match facile. Alors c'est clair que quand on joue Lens ou Lorient, c'est une petite sensation un peu plus particulière, mais le match on l'aborde absolument de la même façon. On s'entraîne toute la semaine avec la même intensité, la même envie de vouloir le gagner. Après c'est clair qu'il y a beaucoup de qualité en face, mais ça ne change rien à notre routine hebdomadaire. Chazim, êtes-vous stressé avant de jouer un match? Un peu oui, je vais te dire la vérité, mais après quand tu sors, tu fais l'échauffement, tu as oublié tout, parce qu'on a beaucoup de choses pour nous pour faire, pour gagner un match, et un petit peu ça, parfois c'est un petit peu stress, mais pas une grosse chose, mais quand tu fais l'échauffement, quand tu commences l'échauffement, après tu as oublié tout, et c'est ça. Hugo, quel message voudriez-vous faire passer à ceux qui veulent se lancer dans le football? Alors, avant tout, c'est aimer profondément le football. Parce que plus on monte les échelons, plus c'est compliqué. Parce qu'il y en a, il y a énormément de joueurs qui aspirent à devenir professionnels. Donc avant tout, je pense qu'il faut aimer le jeu pour, dans les moments compliqués, un peu pouvoir retomber là-dessus. Et après, il faut une hygiène de vie et une mentalité de gagnant, ne pas lâcher, toujours travailler, même quand ça va très bien, c'est justement dans ce moment-là qu'il faut pas lâcher et travailler plus. Donc, je dirais une combinaison de passion, d'envie et de travail. Encore Hugo, dans peu de temps, vos maillots auront comme sponsor le logo de notre établissement. Qu'en pensez-vous? Je ne le savais pas, je suis très heureux de l'apprendre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une belle marque de reconnaissance pour votre établissement et ça ne peut que créer du positif par la suite, des retours, des gens qui ne le connaissent peut-être pas, qui vont s'y intéresser. Et de même, pour les gens qui le connaissent déjà, voir que le club de la CA vous soutient, ça ne peut être que positif. Merci. Voilà, notre mini-conférence est terminée. Merci aux élèves présents autour de moi pour leur investissement et leur sérieux. Merci à notre super caméraman François Alphonse. Un immense merci à tout le monde, au staff de l'ACA Ajaccio pour leur partenariat et leur action pour notre établissement. Un immense merci à nos 3 joueurs, Chazim et Hugo. Bon courage à vous pour la suite de la saison. On est derrière vous. Et n'oubliez pas, insem plus fort et à l'ours.
c'est tout ciò che lo è, e non è mai utile lasciare.